partîmes en voyage en canot sur la Manicouagan. Plus souvent les pieds par terre et la charge en dessous du dos. La pension à notre jeune âge qu'on avait si mal passé, à courir dans les auberges, notre argent avions dépensé. Bon, le son a l'air bon. Hugo, fais-moi un petit 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Un pro, ça marche. Ça marche très bien. C'est la première fois que t'en fais un comme devant public? Ouais. Ouais. Première fois devant public. C'est le premier podcast devant public? Ouais. C'est la première fois devant Léo aussi. Ah, Léo. Hey, mais Léo, c'est lui qui fait notre toune d'intro du podcast. Oui. C'est un petit toune dans la lame, dans la lame. Ah, ben on peut. Je peux faire jouer un bout. On fait jouer un bout. Alors, mesdames et messieurs, avant que le podcast commence, on va vous montrer l'intro qu'on a enregistrée. On a travaillé fort là-dessus. On a fait descendre des équipes d'enregistrement. On a monté un studio pour enregistrer mon oncle Léo. C'est une de ses meilleures performances, je pense, sérieusement. Qu'on va l'écouter. En voyage en canot sur la Manicouagan. Plus souvent les pieds par terre et la charge en dessous du dos. La pension à notre jeune âge qu'on avait si mal passé, à courir dans les auberges, notre argent avions dépensé. Quand nous fûmes. Ah, t'as pas nos micros. Oh, on est reparti. Hey, sérieusement, là, si on avait pu avoir un bouton de son sur Léo depuis tout ce temps-là. Sérieusement, il y a vraiment une belle voix quand tu chantes. Oui. Tu devrais chanter tout le temps parce que quand il parle, c'est pas bon de même. C'est plus décousu un peu quand il parle. Il est peu parti. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, ce soir, notre invité au podcast, Léo. Non, c'est pas vrai. Juste à passer, il s'en vient. Non, podcast avec Hugo Gérard. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité. Quand même. Ouais. Moi, je veux prendre le temps de préciser que moi et Hugo, on s'était parlé. On s'était mal compris. Hugo, il pensait qu'on le faisait par Zoom. Il était à Montréal hier, puis il est redescendu sur la Côte-Nord pour venir le faire avec nous autres. Puis ça, man, merci. Esti, c'est un gros merci. Ça a été toute une aventure parce que j'étais ici avant hier. Puis ce que j'aime, c'est que JP, on s'est mal compris. JP, c'était très bien compris, lui. Non, l'important, c'est qu'on est là. Puis ça n'a pas été long à ranger, JP, t'as vu, hein? J'ai demandé, j'ai dit, JP, c'est-tu en Zoom? Ben non, il dit non, on a tout arrangé, c'est tout annoncé. OK. Comme dans plusieurs discussions avec JP, il est le seul à suivre. Ouais. Mais c'est correct, non, quand t'es là. L'important, c'est que maintenant, tu sais, on apprend à se connaître, puis on va se parler plus. Parce qu'il me l'a dit, JP, il veut pas te déranger, ça fait qu'il te parle pas tant, il te dit le minimum d'informations. Ouais. Ouais. C'est un gars qui compartimente beaucoup. Lui, il en sait beaucoup, mais nous, un peu moins. Mais c'est correct. J'haïs ça, déranger le monde. Ça, ouais, mais tu sais, JP. Je suis poli. Des chums, ça te dérange jamais. Ouais. Ben, dingue, voilà. La prochaine fois, je vais essayer d'être plus clair. Voilà. Je vais mettre 2-3 syllabes. Non, mais gêne-toi pas, t'as envie de jaser, tu m'appelles. C'est ça un chum, JP. Yes. Yes. Je pense qu'il faut quand même expliquer un peu ce qu'on est en train de faire. T'sais, oui. Un très grand invité avec nous autres à soir, Hugo. Mais le podcast qu'on fait aujourd'hui, ça s'appelle Les Fils du Nord. Les Fils du Nord, pourquoi? Parce qu'on est des Fils du Nord. Hugo est un Fils du Nord. Hugo aussi, ça tombe bien. C'est un Fils de la Côte-Nord. Notre podcast qu'on veut jaser, de la beauté de la Côte-Nord. Pourquoi qu'on aime ça être ici? Puis. Pourquoi qu'on aime mon oncle Léo? Non, mais. Ceux qui connaissent un peu le vibe que Jean-Philippe a emprunté avec le Riviera, la distillerie, une vibe un peu redneck, tu sais, c'est comme ça qu'on pourrait le décrire. On veut parler de ça, on veut garder ce côté-là un peu redneck qu'il y a un peu en Amérique, tu sais. Mais tu sais, tu dis redneck, mais en même temps, moi, je pense que c'est pas redneck, c'est juste, c'est la vibe, la Côte-Nord. C'est la Côte-Nord, on est de même. Ouais, c'est ça. C'est pas tant redneck, c'est juste d'être fier de qui qu'on est. C'est la fierté d'être ce qu'on est, puis si c'est être redneck, ça sera redneck. J'irais plus loin que ça.
c'est pas d'être fier de ce qu'on est, c'est juste de rester soi-même, d'être fidèle à qu'est-ce qu'on est. Exactement. Par le reste, la fierté, ça vient avec. Tu sais, j'étais un gars de la Côte-Nord, là. Tu sais, d'avoir des grands rêves sur la Côte-Nord quand j'étais jeune, là, c'était pas commun. Mais t'as plein de gens qui se dépassent, qui se démarquent sur la Côte-Nord, puis que le rayonnement est à l'extérieur de la région. Puis c'est là que tu réalises que tu viens de la Côte-Nord, mais en vrai, tu viens du Québec, t'es une personne comme un autre. Puis là, chaque région a ses propres particularités. Puis ouais. Nous autres, ben, tu viens de le mentionner. C'est un peu redneck, mais c'est ça à Côte-Nord. Ils sont un peu redneck aussi en Abitibi. Ils sont un peu redneck aussi en Gaspésie. C'est juste qu'ils sont redneck différemment. C'est ça. C'est un peu la mentalité. Ben, c'est ça. Une mentalité, puis aussi Côte-Nord, mais mentalité de village. Parce qu'on vient, puis toi aussi, ça tombe bien, on vient de on vient pas des grands centres, tu sais, de la Côte-Nord. On vient pas d'une grande ville de la Côte-Nord. On vient de petits villages. Puis on voulait jaser de ça, creuser un peu. D'ailleurs, ben, c'est ce qu'on va parler pendant le podcast. Tout l'accomplissement que tu as fait de partir de ton petit village, où est-ce que tu t'es rendu? Écoute, on pouvait pas avoir un meilleur, je pense, premier invité. Non, on peut pas avoir un meilleur exemple. Qui représente cette image-là. Fait que les gens, ben, c'est ça, c'est notre premier podcast ce soir. Ça va s'appeler Les Fils du Nord. Je sais pas combien ce qu'il va en avoir encore, mais écoute, tant qu'on n'est pas barré, on va en faire. Il va en avoir un certain? On va en avoir un. On va en avoir un de fait, ça, c'est sûr. Fait que alors, voilà. Voilà le projet. Puis le but, c'est vraiment pas non plus de poser des questions, tu sais, trop choquantes, d'aller dans des sujets trop pointus pour choquer. Fait qu'on va commencer l'entrevue comme ça. Que c'est que tu penses, toi, des astis de fous qui sont faites vacciner? Hey, non, parle-moi-en. Je vais t'en raconter une anecdote. T'es pas obligé, vas-y. Parce que tantôt, moi et Léo, on parlait justement de ça. Ah oui, Léo parlait du vaccin? Oui, on a parlé J'aurais du vaccin. J'aurais aimé assister, oui, vas-y. Ouais, en tout cas, je te dirais pas où ce que Léo s'est tombé, le vaccin, mais il m'a raconté une expérience personnelle. Mais le vaccin, là, ça a fait l'effet du Viagra. Tabarnak. Ah, c'est ça? Ah ouais, tout le temps en érection, ça a été incroyable. Mais c'est ça, c'est sérieux, là. Le vaccin, t'as donné... Ah ouais, puis sais-tu quoi? Je sais pas comment tu t'es fait vacciner de fois, là. Trois, moi, je pense. Ah, moi, j'ai été un an à y aller au moins une fois semaine, là, parce que... Moi, j'ai alterné les doses. Hein? J'ai alterné les sortes, moi. OK. J'ai essayé les brands, aussi. J'ai pas demandé à Jean-Philippe que c'est qu'il pensait du vaccin. La santé publique a répondu à sa place qu'il s'en colissait. Mais... Ah, ils l'ont dit à salut bonjour, c'est quoi mon point de vue? C'est Gino Chouinard a répondu à ça en ondes. Mais... Non, mais ça a bien été, toi, le COVID. Ça a été une façon de se réinventer à l'infini. On aime ça, hein, le mot réinventer. Oui. Toi, mettons, avec tes business, ça ressemblait à quoi, cette épreuve-là? Ça a été le désert, tu sais, parce que nous autres, ils ont fermé les gyms. Fait que moi, j'ai un gym, fait que on a été fermé 15 mois sur 23. Fait que je sais pas si tu sais, là, mais l'aide de 60 000, ça l'aidait pas ben. Fait que ça a pas été un moment facile. La seule affaire au niveau personnel, parce que dans la vie, tu as deux façons de voir les choses. Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, ça a permis à mon garçon de venir passer tous les mois du confinement chez moi. Puis moi, ben, vu que le gym est à moi, ben, je pouvais aller m'entraîner. Fait qu'on s'est mis à s'entraîner ensemble, on s'est vraiment rapprochés. Puis moi, j'habite sur une terre, fait que j'ai 6 acres, j'ai de la place. Fait que ça ne me touchait pas tant parce que je pouvais passer du temps à l'extérieur avec mes chiens, faire des activités extérieures en famille. Fait que tu n'avais pas le droit d'avoir de voisins, mais tu avais ta petite gang. Puis moi, ça, j'aurais jamais pris le temps de le faire, puis on le fait. Puis ce rapprochement-là avec mon garçon, bien, ça continue jusqu'à maintenant. Puis je dois le dire, là, le COVID m'a permis de faire ça, puis pour moi, c'est un cadeau de la vie. Ça t'a permis de mettre un peu le pied sur le break. Heureusement, tu avais les moyens, tu es armé pour le faire aussi, parce qu'il y en a que... Oui, il y en a que c'est pas tout le monde de même. Il y a eu un gros scandale avec les gyms à Québec, entre autres. Je pense que c'est M. Morino, je me souviens plus. Ouais, Marino. Dan Marino. Dan Marino. Ah, mais quel nom, un gars de Forestville, c'en est un, c'est un fils. Ouais, il vient de Forestville. Il vient de Forestville. Il m'a fait l'école. Son vrai nom. Daniel Marino, oui. OK, Daniel, ouais, mais tu sais... Ouais, c'est Daniel, mais tout le monde appelle Dan Marino. Ah, mais il a le même nom qu'un joueur de foot, c'était malade. Ouais, moi, quand je voyais ça, j'étais le Chris, il s'est donné un nom, le tabarnak, en plus. Un gars qui s'appelle Dan Marino à Forestville. Ouais. Son nom, ouais. C'est Johnny Pelletier. À vrai dire, il est décédé, par contre. Oui? C'est vrai, il est décédé l'an dernier. Ouais. Du COVID? Je pense qu'il n'est pas mort du COVID. Il y a eu des complications de santé. Là. Il y a eu plein de rumeurs, mais il y avait des problèmes de santé, puis il en est décédé. Mais, par contre, ce que je dois dire, c'est que tout le brouhaha qu'il y a eu
autour du scandale ouais, des gyms, ça n'a sûrement pas aidé parce que ben ça emmène du négatif. Puis moi, Dan, on s'est parlé, puis je lui demandais comment il prenait ça, puis il me disait que ça allait bien. Mais tu sais, quand tu vis ça, puis t'es dedans, là, ça peut pas bien aller. C'est un peu ça la question que j'avais, parce que à quel point ça vous a arrosé, vous autres? Parce qu'après ça, il y a eu, bon, là, il y a le COVID. À un moment donné, il y a des mesures, c'est pas à pas, là, on décolle, mais tu sais, ça n'a pas décollé d'un coup sec. Ça a-tu été dur, la transition? Non, ce qui a été dur, c'est de s'adapter, puis les impacts financiers. Par contre, pour ce qui est du reste, tu sais, ce qui est arrivé dans un gym, je me sens pas visé parce que c'était pas de même chez moi. Oui, c'est ça. Donc, tu comprends-tu? C'est plate, là, on a nos opinions, mais ça reste que tu respectes les lois, puis j'avais pas le choix, puis dans la position où je suis, dernière affaire que je voulais avoir, moi, c'est avoir des problèmes avec la santé publique. C'est donc, ça. Quand ils nous disaient de fermer, tu fermes. C'est quoi les mesures? J'ai même participé à voir comment on pouvait aider à trouver des façons de faire pour nous permettre d'ouvrir plus tôt. Tu sais, t'es mieux de... Encore une fois, je reviens. T'es mieux d'être proactif que de chialer et d'essayer à long contre-courant. Tu gagneras pas contre le gouvernement. Ah, et en plein ça, ici, là, moi, j'avais... On n'avait pas le droit d'être un restaurant. On avait le droit de faire du take-out. Mais à cause des centres de ski, j'avais réalisé que le monde avait le droit d'aller avec le lunch dans les relais refuges de centres de ski, puis il y avait le droit de manger le lunch là, mais tu n'avais pas le droit de servir de la bouffe. Okay? Fait que moi, je me suis fait une fenêtre à take-out de l'autre bord, puis j'ai ouvert la porte de la terrasse, puis le monde est venu en skidoo, il prenait le take-out là, puis il avait le droit de venir le manger en dedans, mais dans un sac, avec dans un take-out. Fait que toi, ça marchait. Ça marchait. Mais tu sais, j'ai passé à la TV à cause de ça parce qu'il disait, on va voir plus d'affaires comme ça, les gens se réinventent. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, ça donne absolument rien de se battre. À chialer pis à chigner. Ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu trouves le loophole, la zone grise, puis tu te glissais dans la zone grise. Mais l'année d'après, la deuxième année du COVID, j'avais plus le droit de faire ça. mais d'accord, ils se sont adaptés. Ouais. Mais ça reste que, eux, là, ils émettent des lois, tu as des règlements. Ouais. Mais quand tu trouves l'affaire, ben tu l'exploites jusqu'au temps que tu puisses plus, puis après ça, tu en trouves un autre. Ben ça, je voulais dire, tout système a une faille, il s'agit de la trouver, de creuser là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le gouvernement n'a pas décidé. On ferme les gyms, on ferme les restaurants parce qu'on veut mettre les business à terre. Il n'y avait pas une intention de ça. C'est qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle avec le virus qui se propageait. Non, mais ils ne savaient pas. C'était nouveau aussi. Tu sais, honnêtement, il y a des affaires. Il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. Mais n'importe quel gouvernement qui aurait été au pouvoir, pas certain que ça aurait fait une différence au niveau de qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Bon, on l'a vu d'ailleurs, plusieurs gouvernements sur la planète. Ça, Ouais, non, mais reste. Ouais, reste, J-Rock, prends le micro, assieds-toi avec nous autres. Ouais, viens t'asseoir, puis tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu nous amènes. T'arrives comme un cheveu sur la soupe, j'aime ça. J'ai pas de cheveux. Il y a de la brisquette. Ça, t'as sûrement pas fait ça pendant que tu travaillais chez Olimel. Ça fait une demi-heure, ouais. Je suis propriétaire d'Olimel, j'aime. Non, mais je t'avais dit, ça fait une demi-heure, je t'ai dit, je vais faire de la brisquette. C'est notre brisquette de compétition avec nos recettes. Mais là, ce qui est important de savoir avec Jean-Roch, c'est que Jean-Roch fait partie de Sugar Daddy Bacon Barbecue. Les produits que tu n'as jamais parlé que je t'ai donnés. Oh, comment? Les produits que je t'ai donnés que tu n'as jamais parlé. Ils sont dans mon armoire. Ils sont dans mon armoire à tous les jours quand je l'ouvre, je les vois. Puis là, je me dis un jour, il faut que je les essaye. Ils sont beaux, hein? Hey, Graham, ça, il met sur le spot, là. C'est parce qu'en faisant ça, il n'y a pas eu que les siennes qu'il n'ait pas encore goûté, là. Ouais, mais il fait ça partout. Il va à Bob le chef, il fait des frettes de même avec tout le monde. OK, toi, t'es de même, là. Ouais. Tu crées des froids, hein? Les deux, tabarnak, vous ne m'avez pas reconnu. Hey, tabarnak. Ah, mais si tu continues de même, il n'y a plus personne qui va te reconnaître, va te le dire. C'est le docteur Maillot de la saucisse. Il fait des... Non, mais explique-nous moi, je vais juste dire, mettre en préambule, dans le fond... Les gars de Sugar Daddy Bacon, cette année, ils ont participé à la Classique La Bonté, qui est la plus grosse compétition de barbecue au Québec, qui reçoit des Américains. T'es un fan de barbecue, t'animes 3-2-1 barbecue. Les gars, ils ont réussi, c'est les seuls à avoir battu les Américains, ils ont fini premier partout, sauf dans la brisket. Puis les gars de Sugar Daddy, ils ont été capables de les battre dans cette pièce de viande-là, qui est mythique, américaine. Puis on les a demandé de venir ici pour t'en faire, puis te faire goûter à ces quoi Sugar Daddy, meilleure. Premier brisket, mesdames et messieurs, ici. Yes! Là, avant que je goûte à ça, là, j'aimerais que tu m'en parles et que tu me la présentes. Une poitrine de bœuf, mange-la. Ah, j'aime ça, moi. C'est un personnage. Un homme de peu de mots. C'est un artiste. C'est un artiste. Écoute. Ah oui, juste pour. Là, les gens, ils disaient, on le voit pas. Non, cette caméra, c'est pour nous, mais elle est pour lui. Mais non. C'est là qu'on le voit. On vous rassure, on le filme. Comme 12 on va le couper au montage, pareil. On a 12 produits. Écoute, l'arôme.
Oui. L'arôme. Il l'a placé sur la table, puis c'est la première chose qui m'est montée au nez, là, c'est que ça sent bon en tabarouette. C'est incroyable. Ouais. Oui. Fait que là... Faut du goût à ça. T'as mangé dessus, parce que ça va t'être frais. Hey, il est sur le bord de manger de quoi, ouais, lui? Il est sur le bord de manger de quoi, puis il saura pas si c'est frais ou si c'est chaud. Non, j'ai déjà fait le gag, si, arrête de faire des... Là, t'es tout courant que toi et ton chum, on n'est pas assez pour vous descendre. Non, ça vient en arrière. J'aime ça, là, c'est semi-tendre ou semi-dur, c'est comme vous voulez. Semi-croc, comme ma graine. Nous autres, ça, à Chute, on dit c'est que j'ai semi-réussi quand on a... En tout cas, il m'avait dit de ne pas dire de merde pendant le podcast. C'est nous autres qui passent après, fait que, il fallait être gentil. Ben, je suis très gentil, là, il dit que c'était semi. Ouais. Ouais. T'as-tu le fio? Ça serait drôle, tu le... Ça serait drôle. Avez-vous l'émotion? Non, je pense qu'il aimait ça un peu. C'est incroyable, hein? C'est pour vrai, on y a goûté tantôt. Hey, c'est... Ça fond dans la bouche. Ça fond. Yes. T'as réussi à battre Dixili. Bravo. C'est goûteux. Ah, c'est goûteux. Goûteux. Pas douteux. Toi, t'es douteux. Ça, c'est goûteux. Ah ouais. Hey, côté galouche, on est gâtés. Il est susceptible. Il est susceptible, pareil. Hein? On marche des œufs. Je l'ai dit, je suis susceptible. Tous les chefs sont un peu susceptibles. Ben, ça, l'affaire qui me fatigue, là, tu sais, quand on juge à 3-2-1 barbecue, là, ouais. On est là, on analyse la technique. La seule chose que je trouve douteux, c'est que c'est très juteux, puis j'ai pas vu sa technique. Oh. Mais ça, ça, c'est mieux de pas l'avoir. Non, mais j'aimerais ça t'expliquer. Donne-moi la main, bientôt. Non, mais j'aimerais que tu expliques le gras que tu avais. Explique le processus que tu as fait. Pour vrai, c'est genre, c'est nos briquets qu'on fait en compétition, c'est nos produits d'injection avec nos produits, le habache, le poivre, le sel, tout est bien balancé. Ben, honnêtement, là, moi, ce qui m'impressionne, c'est la texture. Les briquettes, j'en ai beaucoup goûté, là, ouais. Mais ça, là, c'est pas compliqué. Tu as l'impression, là, tu croques pas dans de la viande, ça fond vraiment. C'est vraiment un nuage de viande, oui, salée. C'est là, léger. C'est malade. Le goût de fumée est là. Hey, le goût de fumée est bon, puis il n'est pas trop là. Non. Goûte la tranche. C'est supposé être raide. Goûte la tranche. On va goûter à ce qu'on veut, mon homme. Tu vas te calmer un peu, toi, là. On calme. Ouais, c'est meilleur. C'est meilleur que... Voilà, il est fier. Là, non, mais... Il est content. Non, la meilleure brisquette d'Amérique. Non, mais quand même, la meilleure brisquette d'Amérique, mesdames et messieurs, quand même. Yes. L'Amérique! Hey, un gros merci, G-Rock. Yeah. Ben smart. Est-ce que je vous laisse? Yes. On se voit tantôt pour podcast avec les boys. Ben, pour vrai, hein? Sérieux, j'ai écouté ça tantôt puis j'ai dit, OK, mais faut que je travaille ma brisket. Je suis pas là. Oui, c'est ça, Festigris à Sept Îles. T'es venu d'ailleurs au Festigris de Sept Îles. J'ai déjà animé là. Jean-Philippe fait des compétitions chaque année, mais vraiment, on a mangé. Puis vraiment, cette année, ils ont tout arraché, ces gars-là à Sept Îles. Ouais. Ils ont gagné, je pense, à peu près tout ce qu'ils pouvaient gagner. Là. C'est incroyable. Là. C'est la meilleure brisquette que j'ai goûtée dans ma vie. Là. Sérieusement? Oui. Oh. C'est pas parce que je le trouve beau, parce qu'il est pas beau pantoute. Non, c'est ça. Ouais, puis il est pas fin non plus. Hein, ah, non, rien plus, pour lui. Mais ce qui est, il y a rien pour lui, mais Chris, il fait ben à manger. Ce qui est le fun de ce goût. Ce qui est le fun de ce gars-là, c'est que le crédit revient vraiment à sa cuisine parce que c'est pas une bonne personne. Mais. Ouais, c'est notre chum. Non, mais on peut y aller, il est pas là. Ouais, il est pas là. On peut se gonter, mais il va tellement revenir si on parle de lui, on devrait changer de sujet. Non, tantôt, on va faire un podcast avec. Allez, on va te pogner avec tantôt. Avec. Hey! Mais pour vrai, Wayne, tu as goûté tantôt, toi? Oh, oui, j'ai goûté. Ouais, hey, vous pouvez continuer à parler, mais je vais continuer à manger. C'est sûr. Non, c'est vrai. C'est vraiment excellent. Écoute, moi, j'avais envie qu'on commence un peu par le début, puis qu'on s'en vienne comme ça. Là, on a parlé un peu de. C'est toujours une bonne affaire de commencer par le commencement. Oui, oui. Quoique. Il y a des meilleures histoires qui commencent par la fin, mais regarde, on rentre pas là-dedans. Moi, je l'ai commencé par le début parce qu'il y a quand même tout un message quand on voit ton cheminement. Le petit gars qui part, j'ai vu, je pense, c'est hier, avant-hier, tu avais posté une photo. Hier. Hier, hein? Devant la maison de ton enfance. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Tu te dis, OK, moi, je suis un petit gars, chez nous, je vais devenir l'homme le plus fort au monde. C'est quoi qui a fait? Ben, moi, mon père, à mes yeux, c'était le plus fort. Mon père était costaud, mon père s'entraînait. Puis comme les petits garçons, ben, je voulais être comme lui.
Puis avec le goût de l'entraînement, là, j'ai eu mes premiers haltères à 5 ans. Ce qu'on comprend que je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là. Puis je lisais les bandes dessinées quand j'étais plus vieux, 7-8 ans. Puis les personnages des bandes dessinées étaient dotés d'une force surhumaine puis d'un physique incroyable. Puis ça, ça venait me chercher. Puis moi, j'ai vu ma première compétition d'homme fort à la télé à 12 ans. C'était le défi Mark 10. Puis c'était un samedi matin. Attends, excuse. Le défi Mark 10, les cigarettes? Oui. C'est beau. Je voulais juste nous en situer dans l'époque. Tu sais qu'à l'époque, on recule de quelques années, les cigarettes, c'était comme boire de l'eau. Là. Ah ouais, le docteur t'attendait au bureau. Ouais, tout le monde fumait. Oui. Toutes les athlètes étaient comme excuse, je voulais pas te couper, mais ça m'a juste comme... Je vais essayer de reprendre le fil. Défi Mark 10, samedi matin, héros du samedi, 10h30. Je regarde ça à télé, je vois les athlètes compétitionnent, puis ils me font penser aux personnages des bandes dessinées que je lisais. Fait que je pars à la course, je vais voir ma mère dans la cuisine. Je n'ai pas couru bien loin, c'est à peu près 4 pas. Je dis, maman, c'est ce que je vais faire plus tard, mais devenir l'homme le plus fort du monde. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que tu as eu le but, tu as l'objectif. Mais ça, c'est une chose, on a tout eu. Je pense, la plupart des enfants, on a des buts. Bon, les héros, moi tout, j'ai trippé à Marvel, je sais que mon cousin aussi. C'est une chose de le rêver, de le penser, mais c'est une autre affaire de le faire. Ça fait qu'à un moment donné, il y a eu un switch dans ta tête que tu t'es dit, OK, c'est un but. Mais pour l'atteindre, je vais me donner, c'était quoi ta technique, les objectifs à court terme, moyen terme? Écoute, c'était assez rudimentaire. Quand j'ai commencé, quand j'ai eu mes premiers poids haltères, j'ai commencé à m'entraîner. Pour moi, l'entraînement, c'est un véhicule pour pouvoir sortir de l'environnement dans lequel je vivais. On s'entend, c'est à Côte-Nord à l'époque, il y a encore des villages, c'est de même. L'économie, c'est saisonnier. Beaucoup de chômage, beaucoup de consommation. Il y avait beaucoup plus de violence à cette époque-là parce que chaque village avait leur taverne puis tu avais des chicanes. C'était pas un environnement qui était nécessairement... à l'époque, c'était comme ça, mais que je considérais maintenant en disant que c'est un environnement qui est sain. Puis, je sentais pas que j'avais nécessairement les outils autour de moi. Mes parents, ben, on n'était pas une famille qui était riche. C'était de la misère à joindre les deux bouts. Ton père travaille, il est toujours parti de ses chantiers. Ta mère est là. C'était pas facile, puis pour moi, l'entraînement était une façon de pouvoir m'évader. Puis quand je m'entraînais, ben, j'oubliais les choses que j'aurais aimé avoir que j'avais pas, le support que j'aurais aimé avoir que j'avais pas. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à réaliser que plus fort que je m'entraînais, meilleurs étaient mes résultats. Puis où ce que j'aurais été chanceux, c'est de comprendre que si je faisais la même chose dans d'autres domaines, tu avais les mêmes résultats. Donc à l'école, si j'étudiais plus fort, j'avais des meilleures notes. Au travail, mais fait que je l'ai appliqué dans ma vie, puis c'est vraiment simple. Puis mon objectif, c'était oui, c'est d'être le plus fort, mais je me suis dit un jour, mais tellement gros, puis tellement fort, que je vais sortir d'ici, puis il va se passer quelque chose. Parce que moi, je voulais pas être ordinaire. C'est là que tu es allé puiser un peu. Ouais. Fait que ma motivation, puis la force de caractère, était de pas vouloir faire comme les autres. Okay. Fait que je voulais juste être. Tu sais, comment je te dirais. Être comme les personnages des bandes dessinées. Je voulais être un super-héros, puis que les gens te regardent. C'est ce qui t'a amené à être policier aussi, j'imagine, là, le côté justicier. Oui. Là, je veux dire, c'était ça. Exactement. Le lien était là parce que tu as un impact. Parce que c'était pas prédestiné, puis je pense pas que c'est ça qui m'attendait. Puis tu sais, j'ai pas d'honte à le dire, j'ai travaillé beaucoup avec des psychologues à travers les années, psychologues sportifs, psychologues au niveau personnel. Puis c'est carrément ce qu'il m'a dit. Il dit, toi, Hugo, l'entraînement a sauvé ta vie. Parce que ça t'a donné un phare vers où garder ton objectif puis le cap tout le temps. Fait que moi, quand ça allait mal, qu'est-ce que je faisais? Je m'entraînais. Puis quand ça allait bien, qu'est-ce que je faisais? Je m'entraînais. OK. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça ton pattern. Fait que peu importe ce que tu faisais, ben, tu te développais. Oui. Puis après ça, ben, j'ai appliqué la même recette à l'école. Donc au final, un plein d'envie, là. Quand tu fais un plein, ça marche. Tu sais pourquoi? Ça marche parce que tu le suis. Ouais. Fait que mon plein était simple parce que quand c'est trop compliqué, ça finit que tu deviens mêlé et c'est dur à suivre. Fait que mon plein était extrêmement rudimentaire, il était très simple, mais il marchait. Puis encore maintenant, c'est exactement la même chose que je fais. Tu sais, c'est drôle parce que oui, je suis plus connu, tu as la notoriété, tu as un cheminement. Moi, là, je n'ai pas changé, je suis le même gars qu'à 12 ans. Qui a dit à sa mère un jour, vous devenez le plus fort au monde. C'est les gens autour de moi qui changent. Ouais. Hein? Moi, là, je suis resté exactement le même gars, les mêmes habitudes. Tu sais, vu de l'extérieur, ça a l'air super le fun, là, mais honnêtement, j'ai une vie qui est relativement plate. Là. Mais moi, je l'aime plate de même. Tu sais?
Fait que mon travail est pas plate, par contre. Mais ma vie, c'est simple. Moi, là, je mange, je me lève, je m'entraîne, je déjeune, je m'entraîne, je vais travailler, je mange. Mais t'es quelqu'un de vraiment compétitif aussi, là. Tu sais, faut pas enlever ça, là. Tu peux pas t'avoir rendu là sans avoir été compétitif. Oui, mais... on voit ton cheminement aussi professionnel. Oui, t'as été policier, mais ça a pas été longtemps. Quand t'as lâché la police, t'as pas retourné dans la police. T'es devenu entrepreneur. Mais à vrai dire, la police, pour moi, tout est une question de... Je t'ai parlé. Un plan, visualisation, savoir ce que tu veux, où tu veux aller. Pour moi, la police, c'est un outil. Dans la vie, là, lever des roches, ça paye pas les comptes en fin du mois. En tout cas, pas au début. Fait que j'étais conscient que si je persistais dans cette voie-là, les chances de réussir dans la vie allaient être relativement minces. Donc, le métier de policier est devenu un stepping stone, donc un tremplin pour m'emmener à continuer à m'entraîner plus fort pour un jour devenir le plus fort. Parce que quand je travaillais, mais j'avais des sous pour manger les aliments que je devais manger. Parce que quand tu es un athlète, tu ne manges pas la même chose que quelqu'un qui l'est pas. Ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Ah ouais. Les suppléments... Imagines-tu ta diète dans le temps aujourd'hui, comment elle te coûterait? Ça n'a pas de bon sens. Oui, ouais, mais dans le temps, la diète que j'avais dans le temps, tu sais, moi j'ai travaillé, là, j'avais pas de coach. Là. Fait que moi, j'ai essayé essai-erreur tout le temps. L'alimentation, là, il m'a dit ce que je mangeais, là, mettons, à 18 ans. Là. Je me levais le matin, c'était un demi-pain, une douzaine d'œufs, une canne d'ananas, 500 grammes de yogourt. Après ça, il y avait-tu d'autres choses? Ah non, une pinte de lait? Hey, à tous les matins, du pain, là, je suis intolérant de gluten. Ça te donne-tu une idée comment ça allait bien, mon affaire? Vous étiez combien chez vous? Chez nous, je suis parti de bonne heure de chez nous. Hey, j'en ai une anecdote, ça, c'est terrible. Ma soeur m'était dit, y a-tu un frigidaire à toi, puis l'autre pour la famille? Quand j'étais jeune, là, l'épicerie arrivait, là, puis honnêtement, l'épicerie était déposée dans l'armoire, puis le lendemain, il n'y en avait plus. Là. Non, c'était pas drôle, là, puis je mangeais pas... Là, tu mangeais ce qu'il y avait, des sandwichs aux oignons, là, j'ai mangé ça. Sandwich aux oignons? Quand t'as des oignons dans le frigidaire, t'as du beurre, puis t'as du pain, tu manges des sandwichs aux oignons. Colin, moi, ça sonne comme une mauvaise blague. Mais tu jamais rendu là, hein? Oui, mais tu comprends, c'est là qu'on était, là. Moi, quand je suis arrivé aux études à l'extérieur, là, là je t'ai dit ce que je mangeais. Oui. Moi, mon alimentation, l'argent que je gagnais, elle me servait à me nourrir, là. Oh, on s'entend, parce que t'avais un régime, t'avais un apport qui était pas mal. Et là, en plus, tu pèses 300 livres à 18 ans, là. Tu sais-tu que tu manges? Je suis venu travailler à Bécomo l'été de mes 17 ans, avant de partir à Québec. Fait que je suis venu travailler chez Fortin-Lévesque avec mon père. Hey, c'est vrai! Ben oui, toi, ils sont là, eux autres. Je les avais pas vu arriver. Puis là, check bien la pause. Je me levais le matin avec mon père, puis là, je déjeunais à la maison, mais lui, il déjeunait pas, parce qu'il partait de là, puis il allait déjeuner. Il y avait un petit restaurant, là, je me souviens plus ce qu'il y a de rue, là, puis il allait déjeuner là. Je redéjeunais avec lui, là. OK, tu mangeais deux fois. Là, après ça, ouais, il mangeait deux fois. Là, la cantine au break, je te dévalisais ça, mais c'était mon père qui payait. Fait que quand j'ai eu ma première paye, il me dit, bon, il dit, là, t'as ta paye, là. Il dit, Esther, tu vas payer ta cantine, puis tu vas payer ton déjeuner. Parce que lui, dans sa tête, il me faisait déjeuner à la maison avant de partir en se disant, je mangerai pas au resto, ouais, mais moi, je mangeais pareil. Fait que, tu sais, on faisait du spaghetti, la même affaire, à un moment donné, il fait du spaghetti. Là, il dit, comment t'en veux? Il dit, tu vas pas me dire que tu vas manger à la boîte. Ben, je dis, mais à la boîte? Tu sais, un melon d'eau, là. Il achetait un melon d'eau, puis moi, ben, s'il le laissait plein, ben, je partais avec la moitié. Après ça, l'autre moitié. Fait que là, il s'était dit, il va y jouer un tour. Il coupait en petits morceaux pour le mettre dans un bol en se disant, j'allais prendre un petit bol, puis d'en mettre dans le bol, puis à un moment donné, j'allais me tanner de me lever, puis je ne le mangerai pas tout. Qu'est-ce que tu penses que je faisais? Je partais avec le bol. C'est un mauvais truc. Il avait hâte que je quitte la maison, là, honnêtement. Hey, t'as pas empêché. Ouais. Côté génétique, parce que. Ben là, je pense que j'ai une partie de ma réponse, mais déjà, avais-tu une structure un peu plus grosse que la normale? À 12 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais 5 pieds 8 pouces, puis je pesais 150 livres. À 12 ans? Oui. Après 6 mois d'entraînement, j'étais 180 livres, puis je mesurais 6 pieds 1. Fait qu'après ça, j'ai pas grandi tant. À 15 ans, 255 livres. T'estimes à combien, mettons, le ratio effort génétique? T'sais, mettons, quelqu'un qui aurait zéro génétique, qui met tes efforts, peux-tu se rendre là? C'est quoi le pourcentage que... OK, tout le monde a le potentiel d'être le plus fort qu'il peut être. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui a le potentiel d'être l'homme le plus fort du monde. Ben, c'est ça, donc, c'est là que la génétique rentre en ligne de compte. Ça prend de recettes, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai découvert que ce que j'aimais,
qu'est-ce que je voulais faire et j'avais les attributs physiques pour le faire, ce qui est un accident. C'est, mais par contre, tu as un jeune qui mesure 6 pieds 5 à 13 ans, ben tu le sais que ça, il l'a. Ouais. Fait que là, tu peux le diriger dans certaines disciplines sportives où sa grandeur et son physique vont l'aider. Moi, là, quand tu venais de Saint-Anne-de-Portneuf, à l'âge de 12 ans, là, les sports n'avaient pas tant. On n'avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'on n'allait pas m'orienter dans un sport en tant que tel. Sais-tu quoi? Mes premiers poids et haltères, là, c'est un entente que j'ai pris avec mes parents. J'ai payé la moitié, puis les autres ont payé l'autre moitié en échange de bons résultats scolaires. Puis moi, il fallait que je ramasse les sous pour payer ma moitié, puis j'allais spotter au quai à Portneuf. C'était des planteurs automatiques. Tu mettais le pied sur une pédale, puis tu remettais les quilles debout. Ça me donnait 3,5 piastres par soir. Ah oui, c'est ouais. Même que tu as payé la moitié. C'est de même que j'ai payé ma première moitié d'équipement. J'ai monté ça dans ma chambre à coucher, puis c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai fait ça pendant un an. La deuxième année, je continuais à acheter de l'équipement, mais des poids et haltères. Puis, ce que je voyais dans les revues avec les choses avec lesquelles on devait s'entraîner, il n'y avait pas les magasins spécialisés qu'on trouve maintenant. Puis, tout venait de chez Sears. Tu avais le catalogue Sears, that's it. Ouais, moi, je faisais ma liste de cadeaux de Noël dans le catalogue Sears. Fait que moi, la liste de poids et haltères dans le catalogue Sears n'était pas grande. Non. Fait que check bien ce que je faisais. Je continuais à ramasser mon argent. J'achetais le fer à la shop de soudure chez Renault et Mont. Fait que je m'étais fait des plans à l'échelle. Pour savoir combien de pieds linéaires j'avais besoin. J'amenais ça chez nous, je le coupais assez à faire. Je ramenais ça là-bas, je faisais souder ça. Après ça, je ramenais chez nous, je me suis constitué un rack à squat, une machine à poulie, un banc décliné, un banc scot. Je me suis construit un gym à 13 ans. Fait que t'avais de la volonté. Mais moi, ce que tu me dis là, ce que ça me dit, c'est que t'as toujours eu le côté quand même entrepreneur, résolution de problèmes rapide. Oui. Tu comprends, t'avais ce côté-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas un cerveau d'entrepreneur part pas chez le gars qui fait du fer pour se bâtir un gym. T'as pas ce déclic-là, tu comprends? Mais j'avais pas le côté entrepreneur, le côté business. Ce que j'avais, c'est que je savais ce que je voulais. Puis ça, là, je le voulais vraiment. Ça fait que c'est ta motivation. Souvent, là, les gens, ce qui blesse, ils savent ce qu'ils veulent. Mais ils ne trouvent pas motivation pour le faire. Puis aussitôt qu'ils font face à un mur ou un obstacle, puis ça arrête, bien ils décrochent. Ils sont pas prêts à faire le sacrifice. Ouais, mais c'est pas business, mais c'est ça. Mais tu avais la motivation d'entreprendre quelque oui, chose. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Un entrepreneur voit toujours comment on va trouver une solution. Fait que ça, je l'ai eu jeune. Puis on revient à ça. Je pense que ma motivation était autant parce que je voulais faire ça, mais elle était autant parce que je voulais pas finir. Ouais. Avec ce qui m'attendait. Tu avais quasiment plus peur de ta faim, de ce que tu voyais. Que, ouais. Ouais, ça fait penser un peu à ce que j'ai vécu quand j'allais aux États-Unis dans les ghettos. Tu sais, pour eux autres, le sport, on regarde les sports professionnels, que tu regardes du football, du basketball, souvent tu as des jeunes noirs qui viennent des ghettos. Ouais. Puis eux autres, là, c'est parce que le sport est la seule voie de sortie pour sortir de là. Fait que ta motivation là, est forte en tabarouette. Ouais. Je me compare pas parce que je vivais pas, même si on n'était pas riche, c'est pas comme vivre là-bas. Oh, là. Non, c'est ça. Y avait ouais, des... mais. OK, oui, mais oui, puis non. Tu sais, je veux dire, moi, je viens de Chouteau-Star, tu viens de Portneuf. Ouais, mais ben, Chouteau-Star, t'es plus proche de là-bas que nous autres. Ben, c'est ça, là. Mais tu sais, OK, c'est pas des. Surtout ghettos. Là. Là, ça redevient pas mal, là. OK, c'est pas des ghettos américains, je suis d'accord avec toi. On n'a pas le côté arme à feu plus développé, mais en même temps, tout le monde a une carabine de chasse, mais tu sais, je veux dire. T'étais quand même dans cette vibe-là de ghetto pareil. Là, oui, je veux dire, on va se le dire, là, être franc, là, on vient des ghettos pareil. Oui, mais la différence de notre ghetto à nous autres, c'est qu'ici, nos ghettos, on a le bien-être social, puis les autres ne l'ont pas. Ouais, tu sais, la grosse différence entre nous et eux autres, c'est le filet social. Puis si tu enlèves le filet social ici, crée-moi qu'on va avoir les mêmes ghettos qu'ils ont là-bas. Alors, la structure et puis ça sera pas long. Non, la structure gouvernementale est pas mal plus... Ouais. Elle est puissante ici que le ouais, sauf qu'elle amène aussi à se dépasser. Tu sais, je veux dire, t'as pas le côté filet social, mais tu peux pas t'asseoir sur le filet social non plus. Fait que tu te démarques, tu t'en sors ou bien tu finis dans la marre. Tu sais, c'est ce côté-là ouais, aussi. C'est ce côté-là, oui, effectivement. Mais il y en a qui aiment ça, l'avoir, le côté social, puis de s'asseoir à rien faire. Ben, c'est ça, c'est le négatif du filet social. Tu sais, le positif, tu viens de le dire, ça nous empêche de devenir des ghettos aussi trash que les States. C'est là que tu vois que. L'éducation, le milieu dans lequel tu grandis, l'environnement, les gens qui t'entourent vont influencer tes choix et ta manière de voir ces fameux outils-là. Il y en a que pour eux, de vivre du social, c'est un mode de vie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu, leurs parents, leurs grands-parents, puis ils disent, mais je vais faire comme eux autres, ils sont bien corrects, eux autres, c'est le modèle. Ouais. Puis ce modèle-là, honnêtement, je ne suis pas en train de juger, parce que chez nous, c'était pareil. Là. C'est juste que moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment là, arriver à faire de quoi? C'est...
Quand tu te fais dire, mettons, là, que t'es pas bon, puis que t'es pas capable, à un moment donné, t'as deux choix. Soit tu t'écrases ou tu te dis, hein, je vais te montrer que je suis capable, puis je vais te montrer que je suis bon. Exact. Bien, c'est ça qui est arrivé. C'est le caractère qui a pris le dessus parce que tu voulais pas t'écraser. Mais il y en a comment que ça arrive, ça? Puis tu sais, quand tu vis dans des milieux, puis là, t'as raison, parce que le phénomène de ghetto, c'est à ça que ça ressemble. Parce que d'un phénomène de ghetto, là, les gens qui se démarquent des autres, là, ils se font identifier rapidement. Ouais. Hein? Oui. Puis qu'est-ce que tu fais? Ils se font ramener. Souvent, ils vont se faire rabaisser. C'est pas tout le monde qui a la force de caractère pour rester debout, faire face à la tempête quand ça se met à souffler de face. Plus facile de dire on va y aller dans le sens du vent. Là. Exact. Je suis un peu la réalité. Je suis un peu proche des communautés Innus à Sept-Îles. Moi, j'habite Sept-Îles présentement. C'est le même discours que j'ai d'eux autres. Quelqu'un qui essaie de réussir à des communautés, qui s'en va à l'école, à l'université, bien, il se fait ramener un peu. Fait que si ils sont pas de la réserve, c'est plate à dire, mais il est tout le temps dans ce pattern-là de dire à toi, on sait bien, tu t'en vas aux études universitaires. Il y a une genre de jalousie ouais, aussi. C'est ça, il se fait comme il se fait niveler par le bas. T'as-tu eu à dealer avec ça, toi, de la jalousie? Je l'ai vécu, ben oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Toi, familialement, est-ce que c'était. Il te supportait? Non. Père-mère, OK. Non. C'était pas. Moi, je pourrais te dire, je te dirais pas, ma tante, une de mes tantes, ma tante Pauline, me supportait beaucoup, mais il me supportait pas, mais il me nuisait pas. Ben moi, je n'étais pas un enfant problème parce que j'étais ultra discipliné dans un environnement où il n'y avait pas de discipline. OK. Ça chez vous, c'était pas ça. C'est... Ben, tu vois, le côté entrepreneuriat, le côté chercher des solutions, j'ai catché assez vite là, que si ça allait bien, mon affaire, je n'allais pas avoir mes parents sur le dos. Donc, moi, les couvre-feux, je n'avais pas besoin, je m'en mettais un moi-même. Ouais, c'est ça. Ben, mais ça veut dire que la fin de semaine, si je décidais de faire de quoi avec mes chums et de rentrer plus tard, je me faisais pas tomber dessus parce que ça arrivait, quoi, une fois de temps en temps. Mes notes à l'école, j'étais un premier de classe. Donc, ouais, t'avais une bonne discipline. Tu sais, je veux dire, t'aurais pas pu pas avoir de discipline, te rendre ce que c'est tu t'es ce rendu. Il a appliqué une discipline dans toutes tes le côté où j'aurais été chanceux, c'est que je me suis montré cette discipline-là puis je l'ai appris par moi-même. Ces acquis-là, ça, c'est le côté chance. Oui, tu prends le mérite, mais il y a un côté chance pareil parce que c'est quoi les chances que tu réussisses à naviguer de même à travers de ça. Puis ça m'a aidé plus tard parce que la jalousie, ça a continué puis ça m'a suivi longtemps. Là. Ça, il va toujours en avoir. Il doit en avoir encore aujourd'hui. Il y en a encore, mais maintenant, c'est différent. Parce que maintenant, à un moment donné, là, c'est drôle parce qu'au début, tu déranges puis les gens te jugent. Pour qui se prend? Parce qu'il passe à la TV. T'as beau être la meilleure personne au monde, puis d'être fin, je te vois aller, là, t'es la personne la plus gentille que j'ai vue. T'es tout le temps souriant, t'es tout le temps heureux d'être avec le monde. Puis t'as quand même vécu ça pareil. C'est ça qui est fou. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si t'es legit, pis si t'es vrai, puis tu restes humble, puis tu restes vrai, mais ben là, les gens, ça passe de la jalousie à l'envie, à, comment je te dirais ça? Respect. Le respect, il y a le respect. Puis même, je dirais plus loin que ça, parce que mes pires détracteurs deviennent mes plus grands supporters. Ouais, je parce comprends. Que tout d'un coup, là, ils se mettent, ils réalisent. Tu sais, l'envie, là, je peux te compter de la bullshit ici toute l'après-midi, là. Mais si je sors d'ici et tu me vois faire le contraire de ce que je te dis, je viens de perdre ma crédibilité et c'est fini. Ouais. Mais si je te conte une histoire, à chaque fois que tu me vois, c'est la même histoire. Puis qu'est-ce que je te dis que je fais, c'est ça que tu me vois faire. À un moment donné, même si tu ne m'aimes pas, là, tu vas me respecter et tu vas dire tabarouette. Puis à un moment donné, quand ça se met à marcher, tu vas dire quoi? Ben, peut-être que je suis mieux d'apprendre de ça que de dénigrer ça pour essayer d'abaisser les autres pour monter parce que toi, tu ne remontes plus, là, tu restes à la même place. Ouais. Fait que c'est ça que je vois, moi. Ce que je vois, c'est que les gens changent parce que leur vision change. Et tout d'un coup, le message que tu envoies, puis ton message, qu'il soit verbal ou que ça soit à travers tes gestes, il est cohérent puis il reste toujours le même. À un moment donné, ça finit par rentrer parce que tu lances toujours le même message, puis à un moment donné, là, il est sur le bon canal puis il le reçoit. C'est ça qui pointe. C'était qui un peu tes idoles dans le temps? Parce qu'on s'entend, là, tu n'avais pas les Facebook, les réseaux de ce monde-là, mais c'est quoi qu'à un moment donné, tu as dit, OK, moi, c'est lui mon modèle, c'est là, je m'en... Y a-tu une personne type ou... Moi, mon idole, c'était Mohamed Ali. OK. Float like a butterfly sting like a bee. Like a bee. Moi, j'ai lu sa biographie à l'âge de 14 ans. Puis pourquoi que c'est devenu mon idole? Pas parce qu'il était champion du monde, c'était le meilleur. Parce que lorsqu'il était champion du monde, on lui a demandé d'aller au Vietnam. Il a été appelé sous les drapeaux. Donc là, ce qu'ils font, ils les emmènent d'une grande salle. Puis là, il faut qu'ils fassent un pas en avant parce que là, le pays les appelle. Puis si tu ne fais pas un pas, ça veut dire que tu embarques.
t'embarques pas dans l'armée. Donc, Mohamed Ali a décidé de ne pas embarquer. Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé sa licence de boxe, ils ont enlevé son titre de champion du monde, ils ont enlevé son gagne-pain, il y a une peine de prison qui pendait au bout du nez, des amendes, puis il est resté fidèle à lui-même. Moi, c'est ça que ça me dit. Ce que ça me dit, c'est le gars croyait tellement dans ses valeurs, puis il avait tellement des principes forts, que c'était plus important que ce qu'il croyait qui était plus important que pour lui, qui était d'être champion du monde. Écoute, là, le gars est allé aux Jeux olympiques, a gagné la médaille d'or. Lui, son rêve, c'est d'être le champion du monde des poids lourds. Il réalise, il est en fleur de l'âge, il est au top de sa discipline. Mais Krim, il décide de tout perdre parce que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Ça, ça m'a parlé. Ouais. Ça m'a parlé, sais-tu pourquoi? Parce que quand je vis des moments difficiles, je me ramène à mes valeurs et à mes principes. Puis quand des fois, j'ai des décisions pas faciles à prendre, je me remets là-dessus. Puis quand je doute, je me dis, c'est-tu ça la bonne décision? Bien, so be it. Même si c'est pour faire mal, ça va être ça, parce que moi, je suis le même. Bon, vive avec, mais ça correspond à mes valeurs, fait que je vais être capable de me regarder dans le miroir. C'est là la cohérence. Ouais. La cohérence, c'est que moi, c'est comme ça. Puis à partir du moment que c'est décidé que c'est ça, je vais chercher le compromis, je ne chercherai pas le conflit, mais quand c'est fini, c'est rendu ça, c'est rendu ça. Ah, d'ailleurs, Mohamed Ali, il y a une phrase qui m'a tout le temps, moi je n'ai pas de temps d'exemple, qui m'a marqué de lui. À un moment donné, il avait demandé, je pense un journaliste qui demande, « Combien d'abdos tu fais? » Oui, ça dépend. Il dit, « Aujourd'hui, j'en ai fait 17. » Mais non, on t'a regardé, tu en as fait à peu près 150. Non, non. Il dit, « Moi, je commence à compter quand ça fait mal. » Pour lui, il en a fait 17. Tu ris, mais mon entraînement, c'était ça. Ah oui, c'est... Moi, l'entraînement, quand je m'en préparais, quand je m'entraînais pour les hommes forts, là, le vrai training commençait quand ça commençait à faire mal. T'étais vraiment dans... Tout le reste, là, c'était juste du réchauffement et de la préparation. De là, le no pain, no gain. Exactement. Tu t'entraînes, t'as pas mal, tu gagnes rien. Puis à un moment donné, mais quand tu t'entraînes dans la douleur, ce qui arrive, c'est que la douleur devient ton ami. Donc, t'as pas peur d'avoir mal. Tu sais, souvent, ce qui nous fait, qui nous empêche de réaliser nos rêves, nos objectifs, nos buts, c'est nos peurs. On a peur d'échouer. Ouais. T'as-tu été confronté un peu au painkiller? Non. T'as non, parce que moi, j'ai pas embarqué là-dedans. Parce que si t'as mal, tu veux le savoir, parce que je peux travailler pour guérir la douleur. Si je prends de quoi qui gèle la douleur, la seule affaire que je fais, je rempire la blessure, puis je travaille pas dessus. Tu sais, vivre avec la douleur chronique, des fois, tu sais, je sais pas, t'as peut-être pas eu de blessure, mais tu sais, je sais qu'il y en a. Des blessures, j'en ai eu des bonnes. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, les gars qui ont, tu sais, les athlètes qui ont tombé dans un painkiller, c'est qu'ils vivaient, tu sais, vraiment dans la douleur chronique constante, qui ont tombé là-dedans. Je me demandais si t'avais juste eu un épisode ou peut-être, tu sais, connu du monde, tu sais, dans cette. Moi, je suis très, très, très dur à la douleur. J'avais fait l'émission à tester sur des humains. Ouais. Puis là, il y avait une machine qui te pluguait ses abdominaux. Puis. Il y a un courant électrique, là, c'est de l'ondulation, là. Puis l'onde électrique qui envoie, elle a créé de la douleur. Fait que quand j'arrive au studio à Montréal, là, il y a un docteur qui est là, un médecin. Fait ça, ça fait partie d'une recherche qui est partout à travers le monde. Puis là, c'est l'Université McGill, je crois qu'il faisait ici, à Montréal. Puis là, ben, là, il m'explique qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça fait. Puis là, il me dit, tu vas voir, on va te l'installer. Puis il dit, quand ça commence à faire mal, arrête tout de suite. Parce qu'il dit, quand ça commence à faire mal, aussitôt qu'on monte un petit peu, ça passe pas, ça fait mal un petit peu plus, ça passe, ça fait mal, hein? T'as un bras cassé. T'es plus capable, c'est ça. Fait que là, moi, je suis bien correct. Il dit, on va te faire un test. Il prend ses électrodes et me les met sur le bras, sur l'avant-bras. Là, il revient le bras tout croche, mais je sens rien. Fait que là, il est là, il dit, tu sens rien? Il dit, non, hey, toi, tu vas être tough. Il savait. Là, il dit, ouais, OK, là. Il s'amuse avec toi. Là, on commence l'émission. Il teste sur les animateurs. Les animateurs à 4 de la puissance, donc à 50 % de la puissance de la machine, là, sont plus capables et se tordent de douleur. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'il disait qui se rapprochait le plus de la douleur d'une femme qui accouchait. Okay. Ouais, puis c'est une femme qui a accouché, qui a fait le test. Puis le record qu'il avait eu sur la machine, c'était... tu passais de 1 à 8 sur l'échelle de graduation, c'était 6. C'est une femme qui avait accouché. Fait que moi, j'embarque, il met les électrodes... Là, il me dit, là, il va y avoir 300 personnes ici de tantôt quand tu vas le faire. Avec moi, je suis comme craqué, là. J'ai pas envie de passer pour une moumoune. Fait que quand il commence, il tourne la machine, il la met. Fait que là, il me dit, puis, tu sens-tu ça? J'ai dit, non, non, je monte là. Fait que là, je le sais pas. Il dit, là, tu sens-tu de quoi? J'ai dit, je sens rien. Il monte là encore. Il dit, on est au bout. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Honnêtement, je suis parti à rire. Le médecin est venu me voir par la suite.
Il dit, c'est deux fois qu'ils ont vu ça, eux autres, depuis qu'ils font l'étude. C'était un moine tibétain, parce que les moines sont capables, quand même, la concentration de sécréter de l'endorphine. Il dit, toi, à cause de la manière dont tu pratiquais ton sport, il dit, tu as développé une tolérance à la douleur qui est surhumaine. Puis tu as aussi le mind spirit qui parce va que, avec. Oui, mais ce qui arrive, c'est que là, tu comprends. D'une situation, il y a du stress, il y a le côté performance, d'adrénaline. Donc, ton corps, moi, il s'est mis à sécréter tout de suite avant que ça commence. Pourquoi? À cause de la manière que je me préparais et je m'entraînais. Ton corps savait que l'étape d'après, ça allait faire mal. Ouais. On t'en donne. On le protège. Ah, je te pose la question, comment t'as trouvé, vu qu'on parle de douleur, ton combat contre Pat Côté? J'ai trouvé ça le fun, c'était cool, vraiment cool, ouais. C'est cool, j'ai fait du MMA, j'ai fait trois combats, moi, tout. Puis, Oui? Ouais, j'ai ça que t'avais. As-tu aimé ça? Ah, j'adorais ça, man. J'ai eu la chance dans ma vie de knocker quelqu'un, one punch. J'ai le vidéo sur YouTube. Puis quand je me sens comme une marde, je l'écoute, puis je fais le bain après. Ah, t'as ben, ouais. Il y en a qui se remontent de différentes manières. Puis... Moi, quand je me sens comme une marde, je regarde une autre vidéo, puis c'est pas ça. Là, tu. Il dit ça va. Là, tu chemines tranquillement, pas vite. À un moment, c'est quand, à un moment donné, tu deviens... Parce que, bon, là, toi, ton objectif, c'est de devenir l'homme le plus fort du monde. C'est où la trail? C'est où tu te dis, moi, là, pour devenir ça, il faut que je commence là. T'appelles qui? Tu vas où? Hey, ça, c'est intéressant comme question. Tu sais, moi, là, à partir de 1900... J'ai vu le défi Martin à télé en 84. Puis, de 84 à 91, il y avait des compétitions d'hommes forts ici. Le défi Martin, jusqu'en 89, il est devenu le défi laitier. Ou 87, il est devenu le défi laitier, qui est devenu le défi Louis-Cyr, ou vice-versa. À partir de 91, il n'y en a plus de concours d'hommes forts organisés. Donc, moi, techniquement, je me suis entraîné pour pratiquer un sport qui n'existait pas. OK, ça finit ça. Il n'y avait rien. Fait que mon plan de tantôt, je t'ai dit, je savais qu'il y en avait des compétitions ailleurs dans le monde parce que à la télé, aux héros du sport Gillette, il y avait des compétitions d'hommes forts. C'était le World's Longest Man, ça passait une fois par année. C'est là que je voyais les gars. Là, il dit, ça existe à quelque part. Fait que, il dit, c'est là, je vais devenir tellement gros, tellement fort qu'à un moment donné, ils vont me demander d'y aller. Puis, sais-tu quoi? Ah ouais? C'est direct ça qui est arrivé. T'as été invité? J'ai été invité. C'est comme des dépisteurs qui... Ce qui est arrivé, je l'ai su des années plus tard, en 98, j'ai remporté le championnat québécois. Ils ont fait un concours provincial en 97. T'étais-tu un instigateur de ce concours-là ou c'est un pur hasard? Non? C'est au Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini. Ils ont fait l'homme fort Molson en 1997. Ils l'ont gardé régional. Ils n'ont pas voulu le faire provincial parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Puis ils voulaient voir comment ça allait aller. Ça a tellement été un succès que 98, ils font un championnat provincial. On pense qu'on était 28 ou 32 athlètes. Fait qu'il y en avait partout au Québec, dont les anciens du défi Martin qui étaient là. Donc, ils arrivaient avec des gros noms. Puis, ils emmenaient aussi un ego puis une attitude parce qu'il y avait de l'expérience. Fait que moi, je suis un bleu, là. Je suis flambant neuf, là. Mais moi, je m'entraîne depuis l'âge de 12 ans, là. Fait que je m'en vais là-bas, c'est à Dolbeau-Mistassini. J'ai gagné 5 épreuves sur les 8 épreuves. J'ai dominé en compétition. Puis, à quelque part, il y avait besoin d'un Canadien pour aller au championnat du monde au Maroc qui avait lieu cette année-là. Puis là, c'est mon nom qui est sorti. Pas une place au bon moment, tout fait. À vrai dire, même pas. Mon nom, ma réputation, a rayonné à l'extérieur de là-bas. Puis plus tard, ce que j'ai su, c'est qu'il devait y avoir un championnat canadien à Toronto qui n'a pas eu lieu. Et les organisateurs se sont fait demander par les organisateurs du championnat du monde, c'est qui aurait gagné ça? Puis c'est mon nom qui est sorti. Ils savaient aussi que ça a joué, t'es pas une tête folle. C'est pas un gars qui va arriver. Je pense rendu là, à ce moment-là, les autres, ce qu'ils avaient besoin, c'était un gars qui a le drapeau du Canada sur le dos. That's OK, ouais, oh, je sais pas pourquoi. On n'était même pas considérés. Là. Quand je suis arrivé à mon premier championnat du monde, c'est comme si on n'était rien. T'étais là, donc, ce qu'on appelle des feeders. Là. Ça lui prenait 30 athlètes de 30 pays. Ouais, t'étais comme le Kazakhstan au hockey. C'est exactement ça. T'étais la surprise. T'étais, c'est ça. Tantôt, quand je t'ai mentionné, quand tu fais les choses que tu sais pourquoi tu le fais et que tu fais de la manière dont tu dois le faire, qu'est-ce que ça fait? C'est que la journée que le train passe, là, moi, mon billet, je l'avais dans les poches. Ah, c'est ça. Moi, j'étais prêt. Parce qu'ils m'ont appelé 3 semaines avant le championnat du monde. Fait que 3 semaines pour te préparer pour un événement que, honnêtement, les poids que j'avais soulevé, il n'y a rien que j'avais soulevé ici qui ressemblait à ça. Ça, on parle de 98, t'as dit? 98.
T'étais-tu contre Podianowski déjà dans ce temps-là? Non, Podianowski est arrivé en 2000. Ouais, OK. Ouais. Fait que là, en 98, t'arrives là-bas au Maroc. Fait que, comme je te disais, j'ai rien touché des objets quand ils ont fait une genre de séance de familiarisation avec les épreuves, parce que c'était tellement gros et lourd que j'ai fait « Ah, barouette, si je lève pas ça, c'est fini. » Je suis parti de là, je suis allé dans ma chambre d'hôtel, je m'en vais dans la salle de bain, dans le miroir, je me suis regardé pendant une demi-heure à me faire un pep talk et un speech pour me convaincre que j'étais assez fort et que je méritais d'être là. Puis dans les faits, j'ai terminé 10e au monde cette année-là. Puis comme je disais, moi, je me préparais pour ce moment-là depuis l'âge de 12 ans. Fait que, tu sais, la manière dont je faisais les choses, la détermination avec laquelle je le faisais, mais c'est à ça qu'elle m'a servi pour que la journée que tu as le moment, tu as l'opportunité, faut que tu sois prêt. C'est juste que je savais pas quand ça allait arriver. C'est un peu le message aussi que j'écoutais une entrevue de Georges Saint-Pierre disant la même affaire. L'homme le plus fort, c'est pas lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le plus prêt au moment ce qu'il faut qu'il soit. Et oui, exactement, c'est ça. Exactement. Il y a tellement un côté mental à ça, c'est terrible. Ça se passe juste entre les oreilles. Honnêtement, chaque fois que j'ai manqué un lever, je l'ai manqué dans ma tête avant de le manquer. C'est pour ça qu'on n'est pas fort. On est gros, Chris, on n'a pas de mandat. T'as-tu comme une personne en particulier que sans lui, rien serait arrivé ou tu sais, c'est que. J'en ai une personne. C'est moi. Ah ouais? Ouais. Ben, sans doute, tu parlais de ta tante Pauline. Ouais, non, mais honnêtement, dans mon environnement, j'en suis venu à faire en sorte que tu comptes sur personne que toi-même. Fait que je suis parti à l'extérieur, c'est moi qui ai payé mes études. T'es devenu la clé de ta réussite. Ouais, j'étais. J'avais pas le choix. C'est ça. Fait que c'est pas compliqué, j'attendais pas. Puis, étant donné que je pratiquais une discipline qui n'existait pas, ça rend pas. C'est pas toi le plus populaire quand tu dis au monde que c'est quoi tu veux faire dans la vie, mais moi je m'entraîne pour être l'homme le plus fort du monde. Sais-tu quoi ce qui est drôle, c'est que avant hier, j'étais chez Olivier Chrysler avec Homo. Maurice Dignard est venu. Maurice Dignard, il y avait le gym avec Homo dans le temps. Puis il m'a dit, à 17 ans, Hugo, il dit, tu m'avais dit qu'est-ce que tu allais faire. Puis il dit, tu l'as fait. Je me souvenais pas de ça, mais c'est quand même... Pour toi, c'est une phrase... C'est quand même spécial. Hein? Ouais, c'est autre. C'est une chose d'atteindre ton but. Un coup que tu l'as eu, là, un coup que tu es arrivé, je deviens l'homme le plus fort au monde, c'est toi. C'est quoi ton feeling à ce moment? C'est-tu sentiment accompli, on se relâche, on se laisse aller... Ou déjà, tu te fixais un objectif. Veux-tu le rester le plus longtemps possible? Ouais. C'était quoi ton feeling? Parce que Georges disait ça. Il disait, devenir champion, c'est une chose, c'était pas ça. Facile, mais c'était quelque chose de poursuivre un but. Mais il dit de rester champion, il dit ça, c'est tout qu'un défi. Écoute, pour moi, là, la révélation, ça sera peut-être pas la réponse que tu veux entendre. Je suis revenu à la chambre d'hôtel. Je viens de remporter le titre. J'ai un trophée. Je suis champion du monde. Ça fait 20 ans que je travaille pour ça. Puis là, ma blonde me regarde. Elle dit, Hugo, t'as pas l'air content. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, il dit, oui, je suis content, mais tu sais, il dit, sur telle épreuve, là, j'aurais pu faire mieux. Après ça, sur l'autre épreuve, tel, il s'est planté, puis ça m'a aidé. Ma réalisation, je te dirais, l'affaire que j'ai appris de ça, puis qui est devenue, je pense, un autre coup dans le derrière pour me propulser. J'ai réalisé que l'objectif, c'est pas de devenir le meilleur. C'est de devenir le meilleur de ce que tu peux être. Donc, c'est pas de battre les autres. Ouais. C'est de te battre toi-même, puis je pouvais être meilleur. Wow, c'est de focusser sur ta performance. Oui, exactement. Toi, le titre, un peu, tu le voulais, j'imagine, mais c'est un peu secondaire, mais tu as dit, OK, je l'ai eu, mais j'aurais pu faire mieux. C'était ça ton réflexe. Exactement. Okay. Puis, honnêtement, le thinking de ça, c'est que, mettons que j'ai ma compétition parfaite, puis que j'aurais pas pu faire mieux, mais que je termine troisième, bien, honnêtement, j'aurais peut-être eu une aussi grande satisfaction, ou sinon plus grande, parce que je sais que je vais avoir été au bout. T'as pas eu le sentiment d'aller au bout? Non, j'ai pas eu le sentiment d'aller au bout. Je pourrais en donner plus. Je t'ai beaucoup suivi dans plusieurs de tes concours de ça, entre autres, la fameuse marche du fermier. Une marche que je pense que tu étais assez performant là-dedans. J'étais performant dans pas mal d'affaires. Oui. Mais tu sais, puis des fois, tu arrivais, c'était fini, l'épreuve était finie, tu l'avais réussi, tu aurais pu juste dropper les poids. On te voyait, tu les gardais. C'était toi, c'était pour prouver que tu étais où? Ben ça, c'était en compétition. Là. Fait que ce que ça fait de spectacle. Faire, tu veux intimider, le côté spectacle. OK, c'est ça. Oui. C'était...
me demandais parce que je te voyais faire ça, puis ça me faisait capoter. T'sais. Tu vois le gars qui il a de la misère à l'amener à la ligne. Lui, il est là, puis il garde dans ses mains. Ouais, ma plus belle marche fermier, c'était à Dolbeau-Mistassini. T'as les 10 meilleurs hommes au monde là-bas. On fait de la marche fermier. On a 367 livres dans chaque main. Il faut faire 200 pieds. Je suis le seul qui l'a fait sans les déposer par terre. Il fait 200 pieds, 38 secondes, avec 367 livres dans chaque main. Marius l'avait élevé 7 fois. T'as des gars qui ne décollaient même pas. Il les avait, OK. Ouais. Puis, si tu me demandais le plus bel exploit que j'ai fait, je pense que c'est celui-là. C'est ça ma prochaine question. Je pense que c'est celui-là. T'arrêtes de me dire que Marius était à Dolbeau, non? Oui. Ah ouais? Oui, Marius est venu 3 fois à Dolbeau. Tabarnak, OK. Il a manqué un bout. Qu'est-ce que je l'haïssais, Marius? Hey, moi, je t'écoutais à la TV, là. T'étais un gars de la Côte-Nord, man. T'étais mon gars de héros. Puis Marius, si j'aurais pu écrire ça dans la face, je l'aurais fait. Tu sais, Marius, il respectait pas grand monde, mais moi, il me respectait. Je suis content de l'entendre. J'étais bon. Je l'aimais bien, moi, Marius. Tu sais, la compétition, ben, c'est correct. T'aimes ça d'avoir la compétition. Il t'amène à te dépasser. Il t'amène, exactement. Voilà. Ah oui, c'est sûr que qu'on voit. Tu sais, en bout de ligne, je suis compétiteur, mais un compétiteur, t'accepte que des fois, ben, t'en perds, puis des fois, t'en gagnes. Si t'es pas capable de dealer avec ça, fais pas de compétition. Je veux pas m'éterniser là-dessus, puis tu me le dis, si tu veux pas aller dans cette zone-là, il y a un moment un petit peu plus sombre de ta carrière. On en a, je pense, on n'a jamais parlé publiquement. Comment ça, t'as jamais voulu te pogner contre Alain Ouellet? C'est qui, Alain Ouellet? C'est l'homme fort de Saint-Damas. C'est son parrain. C'est un de nos hommes. C'est ça. Mais ça, t'es grand fan. Il est où, Alain Ouellet? Il est où, Alain Ouellet? Il est où, là? Alain Ouellet, il est où? Il est là, Alain Ouellet. Alain, attends-moi, on va régler ça, là. Ah, c'est le chum à Matan Gina, c'est ça. C'est le mari à Gina, c'est le mari à Gina. Moi, je pense, ben, ce que ma mère vient de me dire, c'est apparemment tu connais très bien son frère, oui, Gino Ouellet. Gino Ouellet. Ouais. Ah, bon, c'est le frère à Gino. Hey, Gino. Mon chum, pardon, je vois. Ah, écoute, on avait un cadeau pour toi, Jean-Philippe. Je vais te laisser présenter ça, parce que c'est toi qui as payé. Écoute, ouais, effectivement. C'est moi qui as payé. J'étais dans le char. Chris, pour une fois qu'il paye, on cherchait bien gros quoi te donner. Puis comme je t'ai dit un peu avant le podcast, on n'est pas commandité par Eros, fait que tu sais, on donne pas de jouets. Mais on s'avait fait dire de te donner une brosse à dents électrique. On dira pas qui a dit ça. Ah ouais, t'as besoin de le dire, je le sais. En passant, je lui ai emmené la brosse à dents, fait qu'on va pouvoir y donner tantôt. Qu'on va y donner. Tu vois, j'y craque. Merci. C'est un vrai, c'est un vrai téléphone. Écoute, on t'a pas amené de brosse à dents parce qu'on a décidé d'acheter autre chose. On est allé. Mais, écoute, on est allé à la Galerie d'Or, Claude Bonneau, puis M. Bonneau, dans le fond, on a décidé de te choisir un cadeau là-dedans. Je sais que t'es un gars qui roule un Harley. Fait que j'ai décidé de t'acheter un Harley téléphone parce que je me suis dit qu'ils en feront probablement plus jamais. T'as un bon choix. Puis que Chris allait faire une belle petite décoration sur un foyer ou quelque chose de même. Fait que. À vrai dire. Ça va être le téléphone que je vais mettre dans mon chalet. Ben, Chris, t'as une landline? Puis un téléphone bien cheap, là, puis ça, ça va être pas mal mieux. Ben oui, ça va être beau, ben parfait, je suis content que tu sois content. Ah, Harley. Je vais peut-être le peinturer noir, là. On fouillait dans la brocante, il y avait toutes sortes d'affaires. Au début, on trouvait rien, on voulait amener une vieille paire de bobettes, puis écrire Louis Cyr, dire que c'était les bobettes à Louis Cyr. J'aime vraiment mieux ça que des bobettes à écrire Louis Cyr, là. C'est pas me pogner des bobettes, emmène-moi pas une bobette à Louis, là. Les bobettes. Peut-être Louise, mais pas Louis. Ouais, je voulais voler des bobettes à mon père, mais écoute. Mais là, on savait pas trop l'histoire. Elle avait l'air vraiment croustillante, l'histoire de la brosse à dents. Il nous l'a pas conté. On savait pas trop si on allait là ou pas. Fait qu'on a décidé de pas acheter la brosse à dents. Tu sais, il y en a qui ont des fétiches bizarres, hein. Une brosse à dents électrique, là, ça peut faire main des affaires, puis ça peut aller à main des places. Fait que je te laisse penser à ce que tu veux, là. Tu nous laisses avec l'image. Il s'est brossé les dents avec ça. Après ça, ça se brosse les dents avec. Après ça, tu te fais dire t'as une haleine de cul, imagine-toi. Ah, c'est croustillant. Ça te donne-tu envie d'en avoir une? Je pense que je vais jeter la mienne. Il disait qu'on n'était pas commandité par Eros, ça va venir, mon homme. Oh, ben là, ça s'il va chez vous, puis il va à la salle de bain, cache ta brosse à dents.
C'est bon à savoir, c'est mon nouveau beau-frère. J'en hey, je vais t'en compter une anecdote. C'est la seule que je vais te compter, croustillante. Oh, watch out. Ça parle de brosse à dents, justement. Oh! Hey, l'arroseur arrosé. À l'époque, je vais en Écosse, puis le président de la Fédération internationale, c'est Doug Edmonds. On l'appelle Big Dougie parce que c'est mon chum. Fait que je m'en vais rester chez eux. Puis son garçon, là, il est vraiment tannant. Tu sais, vraiment, vraiment tannant. Tannant, genre rock, mettons. Ouais, exactement. Là, okay. Déplaisant. Ouais, exactement. Ah, puis il est susceptible. Là. En plus. Fait que là, l'autre, j'ai dit, à un moment donné, il dit là, si t'arrêtes pas, là, t'aimeras pas ce que je vais te faire. Fait que là, il s'en va à la salle de bain. Fait que là, il avait sa pinte de Guinness. Là, il est fait comme Kevin Parent avait fait à un moment donné. Là. Fait qu'il est trempé oh! quoi dedans. Comme Kevin Parent avait fait à un moment donné. J'ai trempé ça dedans, et brassé sa Guinness, j'ai remis ça là. T'as grainé la Guinness. Il a grainé sa Guinness. Hey, j'ai grainé sa Guinness. Puis là, on est tous là, fait que tout le monde l'a vu, sauf lui. Fait que lui, il revient, puis il boit sa Guinness. Puis là, tout le monde, il demande s'il veut des tic-tac. Lui, dit là... C'est drôle que... tabarnak, c'est drôle qu'hier, on a fait le même gag à Jean-Roch, moi pis toi, en même temps. Ça n'est jamais rendu compte? Aïe, 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 pas dit. Quoi? C'est bon, on dirait un lutteur. Tabarnak. Hey, ben, il a vraiment trop bu. Il a vraiment trop bu. Macho Man Randy Savage qui arrive ici. Hey, va choisir ton spot où ce que tu vas aller dormir. Je m'en viens. Hey, on va aller te border, madame. Oui, donc. Tu vois? Hey, il va m'avoir par les sentiments. Il dormira pas de suite. Pas eu, ah, pas eu, hey, la caméra, tant là. Que je vais avoir faim, il dormira pas. On va être coupé au montage. Comme toi et tout, tu vas être coupé au montage. Mandy. Je pense pas. Non, je pense qu'on a besoin de Wayne. Non, non, j'ai replacé la caméra que le style génie qui fait des saucisses à crocheter. C'est vrai qu'elle a de manger de saucisses à part de ça. Ouais, j'ai plein de questions comment c'est venu au monde le patent. Deux gars qui se sont dit hey! Hey! Regarde son logo! C'est ta marouette! Hey, puis tu sais, c'est quoi la première affaire qui m'a répondu quand j'ai demandé c'était quoi leur objectif à eux autres? Il me dit, c'est de mettre nos saucisses dans la bouche de plus de personnes au Québec. J'ai trouvé ça weird. T'as vu? Ouais. Toi, il t'a dit ça. Moi, je lui ai demandé, c'était quoi le logo? Il dit, ça représente moi et mon chum. Oui, c'est ça. Ouais. On n'a rien contre ça, mais à un moment donné, bon. À retourner ben, à Montréal. Tu sais que la saucisse, il faut que tu compactes ça dans un tuyau, hein, parce ouais. que... Ouais. En tout cas, on l'a fait avec Yann Perrault là, dans Barbecue Non-Stop. On avait fait des saucisses. Et tabarouette. Ah oui? Oh. C'est la première fois que tu faisais ça. Ils ont coupé pas mal d'affaires. Ah ouais? C'était indigne de la palombe. Oh, voyant, sérieusement, là, c'était pas chic. Là. La technique pour rentrer ça dans le tuyau. Là. Puisque tu nous amènes là-dessus. Hey, tu es obligé de demander, on peut-tu le faire la lumière fermée, ça va être plus facile. Ben, t'es direct dans notre prochaine question qui est par notre nouveau commanditaire Eros Compagnie. T'es-tu plus cocktail ou bolognaise? Non, c'est pas vrai. C'est pas. Faut obligé de répondre à ça. Chris, on lui fait des plats. On lui fait des plats gratuits. Hey, parlant de commanditaire, faut remercier. Ah oh oui, c'est vrai. Le commanditaire officiel du podcast. T'y connais-tu, toi? J'ai une petite idée. C'est qui écoute la distillerie de Québec Nature qui rend tout ça possible? Ah oui! Aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, distillerie. Il y a quelques actionnaires quelque part, je pense. Hey, go, vu que t'as la bouteille des mains, je te laisse la craquer. Ah ouais? T'as le droit de faire ça? Je te laisse la craquer. Ça sent bon, Hugo.
Non, non, pogne-la dans tes mains, puis éclate-la. Je couperai pas pantoute. Parce qu'on a, moi puis Hugo, on a une super de belle annonce à faire. C'est pour ça qu'on va prendre un shooter puis qu'on profite du moment pour annoncer le commanditaire qui est la distillerie Québec North Shore. Moi, je vais prendre l'autre qui goûte bon. Non, c'est pas vrai. Alors, on prévient une tournée, hein, t'as bien raison. Tu fais ça? Karine, Tenrika, venez-nous tourner des mi. On prend un shooter ensemble. Ce qu'on veut vous annoncer. On annonce pas. Quand tout le monde va avoir le verre, on va l'annoncer. C'est beau. Fait qu'on attend. Parfait, on va passer au segment surprise, le segment Thibaut choisi. Bien le bonjour. Ça aussi, on va le couper. J'ai de quoi dire, en vrai. JP, il y a des plus gros mollets qu'Hugo. Oh! Puis ça, il est en tabarnak. Puis là, un moment donné, il est arrivé au pub à Portneuf. Puis JP, il avait un plus gros pick-up qu'Hugo. C'est mon tabarnak. La semaine d'après, il est arrivé avec son pick-up. Son pick-up était plus gros que le sien. Ouais. Mais il m'a jamais battu ses mollets, pareil. Non. Il y a une chose, par exemple. Il y a peut-être des mollets plus gros que moi, mais moi, j'ai de quoi de plus gros que tes bras dans mes culottes. Oh, tabarnak de colis. Hey! Non, mais moi. Attends un peu, sérieusement, ça m'a ému ce moment-là quand vous êtes touché parce que moi, j'ai un petit gars qui a 15 mois, pis c'est comme quand j'y donne la main quand vous êtes. Hey, il y a le pire, sérieusement. Ça m'a rappelé mon fils. Il est quand même pas pire. Moi, là, je vais vous donner une référence. Pour toi, on m'a demandé mes mensurations. J'étais gros de même à peu près à 8 ans. Ouais. Hey. Ben, j'ai entendu dire qu'il tournait une série sur toi et qu'il allait jouer toi 8 ans. Oui, oui. Il commande plus. C'est fini. On peut-tu? C'est-tu tout le monde qui a son petit drink dans les mains? Non. Pas encore. Oh, pas encore. Un petit peu plus long que ça. Karine Saint-Pierre en a reperdu. C'est pas la Karine que j'ai connue. Enrique, t'arrêtes de faire le tour. C'est pas, j'aime ça l'agacer. Ah non, on va te laisser annoncer ça quand même. Tu peux commencer à en parler. Avec on annonce ça, on va pas quand même parler. Oui, du produit. Ouais, l'aventure. Ça a été une belle découverte cette année à Portneuf. En passant à Portneuf cette année, un gros merci parce qu'avec le Haut Rive, avec le Riviera, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Ça a vraiment mis de la vie dans le village. Merci beaucoup. On va l'inclure dans le podcast. Oui, parce que c'est ça, Frédéric Thibouche, il est avec nous autres dans l'aventure au Haut Rive. Il manque Jason qui est pas là. Salut tout le monde. C'est Thibouche? Ouais, Thibouche. Ouais. Frédéric Thibouche de Bâcheux Boucher. Ouais. Thibouche. Ben, normalement, il y a une voix là, qui vient avec ça, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Il y en a qui appellent Thibouche. Moi, j'aime ça l'appeler Cubouche, mais il n'aime pas ça. Ben, c'est vrai. Au début, je comprenais petite mouche. Ouais. Quand je la regarde de même, l'autre bord de Witch. Tout le monde a son verre, tout le monde. Mais c'est quand même grâce à lui que le O'Rive, l'aventure du O'Rive a existé. Ouais, parce que lui, il va. T'as l'air content, Hugo. J'ai l'air en tabarnak aussi. Mais la gosse. Non, on est vraiment contents. Pour vrai, le O'Rive, j'ai senti la même dynamisme du monde de la place qui était vraiment content. Autant qu'ici, qu'on a revampé, qu'on a refait un nouveau concept avec le Riviera, quand on est arrivé là-bas, le monde était vraiment content d'avoir un nouveau restaurant. Je pense que ça a fait du bien. Ça. Écoute, là, moi, je vais parler là, pour le village parce que c'est ça qui a été véhiculé. Ça faisait longtemps qu'on attendait quelque chose comme ça. Il n'y avait plus de resto. Ben, chaque année, il y en avait un, là, mais okay. Ça faisait des. Il y en a eu qui étaient quand même pas si pire, mais ça n'approchait pas ce que vous avez emmené. Au-delà d'ouvrir un restaurant, vous avez emmené une énergie, un dynamisme. Oui, l'ambiance, le menu. Tu sais, les affaires qui te ressemblent. Des gars de la Côte-Nord qui font des affaires pour le monde de la Côte-Nord. Puis la première fois que je suis allé là, ben, ça a été un clic parfait. T'sais, tripeux de barbecue, on s'était vu à cette île, les drinks, le hamburger. Écoute, là, combien de personnes le de l'extérieur. Oui, un vrai burger. Burger Hugo Girard. J'ai emmené beaucoup de monde de l'extérieur cet été pour faire découvrir l'Eau River. Je lui disais, faut que tu y ailles manger là.
personne n'a été déçu. Puis je l'ai entendu parler, puis la bonne affaire, ils ont même parlé dans le Journal de Montréal. Oui, le Journal de Montréal, on était là, ben oui. Donc ça donne une idée. Quand tu es rendu que ça rayonne demain, c'est parce que ça a fait du bruit, puis ça s'est parlé. Fait que ça a aidé à faire découvrir le village, puis les beautés qu'on a ici, c'est à côté. Oui, parce que le spot, il est incroyable. C'est comme incroyable, je disais dans le journal, quand on est arrivé là, puis j'ai regardé ça, j'ai vu le potentiel, j'ai fait « OK, wow, c'est un esti de beau spot. » T'es dans l'eau. Le fait que t'es sur un quai, t'es carrément t'es dans l'eau, c'est tellement hot. Quand là, t'es là, puis toi, tu fais de la bouffe dehors, là, t'arrives au resto, tu vois ça. Hugo, c'est quoi tu veux manger à soir? Là? Ah, tabarouette! Moi, en partant, là, c'est fait, il m'a eu. Il arrive là-bas, puis il m'attendait, puis écoute, c'est juste bon. Ben c'est oui. Juste le fun, puis t'as juste du plaisir. Fait que chapeau à gang, vous avez vraiment fait de... Vous avez aidé beaucoup à faire rayonner le village. Félicitations à l'équipe du O'Reilly. Oh! On m'annonce que tout le monde a... On a le oh, attention! Oh! Attention, Hugo va... Là, ce qui est le fun, c'est que vous faites rayonner la Côte-Nord à travers la province avec des boissons qui sont faites ici, avec des produits d'ici. Tu sais pourquoi le Cormier? Nous autres, on voyait les oiseaux sous. Bon, c'est pas l'histoire qu'il m'avait donnée. Oh! Ma tante Gina... vas-y, Gina. Toi. Ma tante Gina, t'es en feu. Là, on goûte Amy, mais on veut goûter à Volca et tout. Ben oui, pas de trouble avec ça. Hein? Bon, JP! Hein? Yes. Pas mal moins de le monde. Pas mal moins cheap que toi, Madame Gina. Va nous ouvrir deux des bouteilles. Hey, merci tout le monde d'être là. C'est vraiment le fun. Yes. Oh. Toujours aussi délicieux. Vous devez au moins 100 fois. T'as oublié de faire l'annonce? Ben, je pensais qu'on le faisait après. Ouais, c'est bon. Après. Je pensais que tu fais que tout le monde mauvais shot, mais après, on annonce. Ouais, vas-y, ouais, ouais. Attends un petit peu, ça vient avec une chanson de Bonheur Cléo. Hey, mis trop de boissons dans mon chou. Non, c'est pas ça. Je l'ai regardé, je suis allé m'en starter une, tabarnak. Il est prêt. Alors, vas-y, fais ton annonce. Ben écoute, vraiment heureux d'annoncer que Hugo devient non seulement notre porte-parole, mais un actionnaire, un membre officiel de la distillerie Québec Nature, puis il va nous aider justement à pousser la distillerie Québec Nature partout au Québec. Ambassadeur. Dans deux, même, peut-être aux États-Unis. Écoute. Hey, vas-y comme on dit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fort. Tu connais-tu Gérard? J'ai rarement vu ça. Écoute, il faut que je te pose la question. Tu sais, on s'est parlé, nanana. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu embarquer avec nous autres? L'affaire qui m'a... Au-delà de la qualité du produit, c'est les gens derrière, puis c'est ton énergie, JP. La sienne. L'histoire. Je m'en viens là-dessus. La première des choses. Ensuite, on s'est mis à parler. Qu'est-ce qui l'a, lui, motivé à mettre Québec North Shore au monde, tu sais? La Côte-Nord, il y a l'histoire. Tu te démarques. Les produits locaux, les richesses locales. Moi, là, ça m'a parlé parce que je m'identifie à ça. Je suis un petit gars de la Côte-Nord. Ouais. Je pense que vous le savez tous, je me suis jamais gêné de le dire quand c'est des entrevues. Moi, je viens de la Côte-Nord, un petit village sur la Côte-Nord. Tu as tout le temps dit. Faire rayonner aussi son village, partir d'un petit village, le mettre sur la map, c'est un peu ce qu'il fait. Là, mais quand on s'est mis à discuter ensemble, c'est venu de lui, mais déjà en partant, j'ai trouvé ça voir parce que ça va marcher. Ouais. Ça va marcher parce que, un, c'est bon. Parce que, deux, t'as une histoire. Il y a une culture derrière ça. Oui, puis ça, là, ça parle. Parce que, tu sais, ce qui fait qu'un produit est bon, au-delà de ce qu'il y a dedans, c'est l'histoire qui vient avec, pis c'est ça que tu racontes. Ça vient de loin. Ça vient de tout le début là, de la Québec Nord-Charles. Puis moi, je me dis, ben, mon apport, si je peux aider à faire rayonner le produit, puis écoutez, on l'a fait, j'ai fait un gros party chez nous. J'ai été venu. Hey, le monde a capoté. Ben, d'ailleurs, là, il faut que mon chum, là, il veut avoir des bouteilles parce que là, il s'est fait passer des commandes. On est rendu là, puis c'est juste le monde, les balbutiements, ça commence. Là. Donc, on a tout pour avoir une recette gagnante. Pourquoi? Parce qu'ici, au Québec, c'est à Côte-Nord, on a des richesses,
On a des gens qui ont des talents. On a des choses qui sont uniques et qui méritent d'être connues. On a une crise de belle culture qui mérite d'être découverte aussi. Puis c'est le fun. Au lieu de se restreindre, là, tantôt tu nous as parlé le côté entrepreneurial, de se limiter. Tu n'es pas obligé d'avoir un nom lendemain et venir des États-Unis pour te démarquer et avoir de quoi être extraordinaire. La différence entre ordinaire et extraordinaire, c'est l'extra, c'est pas toi. Lui, il l'a sous le cœur. Parce que moi, quand je suis allé chez vous faire le party, justement, parce qu'on. Je t'ai pas invité, je pense. Je l'ai abandonné à cette. Mais il me l'a dit, il me l'a avoué tantôt, hein. Puis j'ai dit, ça sera plus mon chum si tu me dis ça. Il me l'a dit. Mais c'est ça. Mais là, vous battrez après le podcast. On se bat. Moi, c'est la passion derrière et la passion, tu la goûtes dedans. Puis quand tu prends ça, ben c'est un petit peu de nous autres que tu. Oui. Que tu prends, puis c'est un peu de nous autres que tu apprends à connaître. Puis si tu aimes ça, ben, c'est parce que tu nous aimes, nous autres aussi. Fait que toi, tu as mis du cœur là-dedans avec ta gang. Puis là, tout d'un coup, ben, on va mettre du cœur là-dedans parce qu'on va faire connaître ça, on va faire grandir ça, puis on a le droit d'être fiers. C'est pas parce qu'on vient, qu'on est Québécois, qu'on n'est pas capable. Georges Saint-Pierre, on a comme Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard. On a des icônes canadiennes, là. Céline Dion. C'est pas parce qu'on vient d'ici et que tu viens des régions que tu n'as pas de talent qui mérite d'être connu. Ouais. C'est vrai. Puis, tu sais, ce qu'on a voulu faire, c'est un produit de région. Tu sais, on a vraiment voulu frapper des régions. On a voulu frapper le côté western, le côté. Tu n'as pas essayé d'imiter quelque chose. Pas de... Tu as fait de quoi d'unique. Dans la vie, il y a deux façons de faire les choses. Tu es fait comme les autres ou tu es fait à ta manière. Ben, tu vois, j'ai fait des affaires à ma manière. Tu as fait les affaires à ta manière. Mais c'est ça qu'on retrouve là-dedans. Puis moi, ça me rejoint. On a fusionné Portneuf puis Chose d'Arbre. On a fusionné Portneuf puis Portneuf Chose d'Arbre. Ça fait un gros village. Là, on prend un volcan, Madame Dunadi. On peut prendre une volcan. Je pense à la que je suis dans Swift. Attention, Matin. Attention à la caméra, Matin. Pour s'aligner sur... Écoute, ça nous amène... Là, nous autres, écoute, c'est le premier podcast. On s'enligne là, sur un concept. On a un segment qu'on va essayer de mettre en place qui va devenir d'épisode en épisode. C'est une question, en fait. C'est quoi l'anecdote la plus redneck que tu as faite ou que tu as vue? Là, quand on parle d'anecdote redneck, là, ça peut être un plan de fou ou de quoi tu te dis ça n'a pas de bon sens. Ça, là, on tombe pas dans des affaires. Mais des affaires de oh, « je ferais plus ça aujourd'hui ». Ça peut être un amancheur, une construction incroyable. Des wellés en trois roues podcast. Wellés en trois roues podcast. Ben, écoute, m'a compté de quoi de redneck? La brosse à dents à Joe. Ça, c'est redneck, ça. Ça peut brosser les dents avec la brosse à dents à Joe. C'est dégueulasse, ça. Hey, t'es pas obligé de mettre là. L'affaire la plus redneck, hey, ça, c'est une maudite bonne affaire. M'a compté de quoi, là, des fois, je pense à ça puis je me réveille la nuit. Sérieux? Ouais. C'est pas ce que tu penses, Joe. Parce que moi, quand je pense à ça, Joe, là, c'est toi en train de faire... Alors, je me réveille. Non. L'affaire la plus redneck que j'ai faite, là, à un moment donné, je dois avoir 14-15 ans, puis là, on a des pétards à mèche. Puis là, on s'amusait à faire péter ça. Puis en tout cas, on va au dépanneur, on pitche ça dans un sac de chips. On a bien du fun. Grenouille. Là, m'emmener, là, moi, avec un éclair de génie. Tu sais, je suis pas mal discipliné, là, mais des fois, je pense que je l'échappais, les fils de Touchet. Il y avait un tracteur. Un gros tracteur. Tracteur de ferme? Tracteur de ferme. C'est hors des tracteurs de ville. Une maison, c'est la rue Aymon. Puis moi, je pognais le pétard à miche, je le garochais. Dans le tank à ben non. Dans le tank à fioul, Chris. Ben dans le tank à fioul. Une chance que c'était du fioul. Hey, c'est pas redneck, c'est suicidaire, ça. C'est pas redneck, c'est dangereux. Je comprenais pas pourquoi que ça pétait pas. OK, toi, tu dis... Hey, sérieux, là, à un moment donné, j'ai comme... Hey, sérieux, là, j'ai eu des frissons. Puis des fois, encore maintenant, hey, j'avoue je rêve que c'est... à ça, là. Puis je me réveille, puis je fais... Hey, faut-tu être cave? C'est-tu à ce moment-là que tu l'aurais pas dit, je l'aurais pas dit, là, mais ouais, Christy Despétards à mèche, je ne t'ingue à gaz, c'est quand même pas vrai. Hey, c'est-tu redneck? Ben, tu me bats. Parce qu'on a fait ça la semaine passée. Vas-y.
C'est-tu à ce moment-là que t'as perdu tes cheveux ou ça? il a demandé, c'est-tu à ce moment-là que t'as perdu tes... oui, on va en prendre. On va en goûter une. Là, tu tombes dans ma boisson de prédilection, la vodka. Ça, j'adore la vodka. Elle est sérieusement est excellente. Moi, si je peux vanter ce produit-là, je peux le dire aujourd'hui, c'est la meilleure vodka que j'ai goûtée. Non, c'est de la vodka. Oui, c'est vrai, ça, par exemple. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas de la vodka. C'est de la vodka, tabarnak. Pour que ce soit dit par une matante. Moi, j'ai une matante, là, ben, à Montréal. Elle, là, elle capotait sa vodka. Matante Odette. C'est ça. Ben oui, on aurait dû mettre matante Odette en arrière. Ben oui, je sais. Ben c'est ma tante Odette, c'est la seule personne que j'ai vue aller. Elle se prenait de la vodka, puis elle allait où la tank à l'eau, puis elle se crissait de l'eau, de la vodka, puis. Ah, moi, j'aurais cru. Faut que t'aimes ça, là. Ouais. Ouais, mais ça coûte cher. On l'a pas fait à cause de. De l'autre Odette qui est là. À cause de lui. On l'a pas fait. Est-ce que c'est tout le monde qui a un shot de vodka? Est-ce que c'est tout le monde qui a du fun? Sauf du bail. Non, ok, c'est bon. Oui, OK. Oh, là, tout le monde, là, tout le monde, on fait ça, on prend notre shot, on finit Hugo, puis on s'en va tout à relance. La relance, c'est bon. Mauvais marketing. Il est-tu fou, lui, Chris? J'ai un podcast à 10h30 à relance. Tu vas te faire tirer. On dit pas ça. Hey, c'est moi, pas coupe, fait. Moi, je coupe rien. Pour les nonos, les momones, ça. Ah, ben tu... Hey, bon, c'est... Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais qu'il vienne... Hey, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais qu'il viendrait prendre un... Ce serait ma tante Jeanne. J'aimerais ça qu'elle vienne à côté de nous autres prendre un... Ah ouais, ma tante Jeanne, viens-t'en avec nous autres. Ma tante Jeanne, tu viens ou on envoie Hugo te chercher? Ouais, mamie Jeanne, viens-t'en. Viens, mamie Jeanne, là, t'as pas le choix. Mamie Jeanne. Je vais me tasser, ça. Ah, ça va, je vais me tasser, là. Il est à côté de moi, mais... Moi, je suis rendu un peu ma mamie et j'en ai plus. C'est rendu ma mamie d'adoption. Il était à ma tante, colle-toi un peu. Hey, santé tout le monde! Santé tout le monde! Sir! Léo! Léo aussi est là! Salut, Oh! C'est fort un peu qu'Amy, là. Oh! C'est pas de la marato, ça. Oh! Écoute! Mais le fun! Je voulais pas finir ça de même, on s'en relèvera pas là, de ça. Là, la fatigue vient d'embarquer d'un coup, là. Alors, c'est que là, il n'y a plus de chou dans le mien, ou on a passé le segment de notre commanditaire. Bam! Ça fait que... Oh. Lumi au Bergeron n'a pas été facile non plus. Hey, c'est dangereux, ça. Oui. Ah, oui, oui. Ça rend bien que toi, ouais, là. Ouais. C'est vrai, par exemple. Ouais. On aimerait ça avoir un peu étoile. la demande est partie. Allez, en tout cas, ben, moi, je te remercie beaucoup, Hugo, personnellement. Hugo, merci. D'avoir t'être prêté à l'exercice. Merci pour... T'être déplacé, man, sérieusement. Merci. Encore un gros merci. Ben. Merci. Merci pour deux choses, oui. Ah, Hugo, un gros merci. Depuis le début, depuis cet été, c'est fou, man. Pis, genre, comment que t'étais un bon gars. Parler avec toi, c'est le fun. Je m'attendais pas à ça. Ben, sérieusement, là. C'est sérieusement, ce que j'ai découvert, là, on le voit ici, là, parce que toute ta famille est là, puis c'est ça que j'ai découvert une famille. Ah. C'est ça qui vient me chercher, parce que t'embarques dedans, puis t'as l'impression que t'en fais partie. Ben, honnêtement, t'as pas l'impression que t'en fais partie. Oh, ouais. Mais je pense que toi... Bon. Ben, Morin, t'étais pas invité dans le podcast. Tu peux pas crier après le monde. Mais tu fais inviter dans ben des places, mais dans le lit de ta tante, c'est la première fois. Hey, attends un peu. Ben, attends un peu, elle dit pas. Alain Wallet, il la trouve pas drôle. Elle dit. Non, mais. Elle dit pas ça juste pour l'inviter, c'est parce que mon oncle, il y a un poil. Il y a un poil à la compétition. T'as-tu une porte en arrière? Parce que. Suis-moi. Non, c'est parce que mon oncle, il y a un poil à la compétition, il est pas capable de le sortir de son sous-sol. C'est pour ça qu'il t'invite à coucher. Il est là, Alain. Il est là. Non, mais sérieusement, je voulais. Cette année.
Je voulais rajouter une phrase pour vrai, je te remercie ben, pour trois choses d'ailleurs, ce que tu viens de faire ici, puis pour ce que tu fais depuis toujours. D'abord, faire briller ta région, faire briller le coin que tu viens, puis donner de l'espoir, parce que la photo, le pose que tu as fait, qui disait « Crois à tes rêves », moi, je suis un petit gars de Portneuf qui s'est donné des objectifs, t'es donné les moyens de les atteindre, t'es atteint. Mesdames et messieurs, on a un petit gars de Portneuf qui est devenu l'homme le plus fort au monde. Il est avec nous ce soir. Un message d'espoir pour tout le monde. Merci beaucoup. Hey, merci. Hey, il y a eu 30 000 likes. 30 000 likes, c'est ton... 30 000 likes? 30 000 ben, il en manque 70 000 encore, c'est pour 30 000.